Salut tout le monde, heureux de vous revoir, j'espère que vous vous portez bien. À travers cette vidéo d'environ une dizaine de minutes, je vais vous raconter le déroulement de mon premier road trip, du moins mon trajet de Valenciennes à Fréland. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magnifique village situé dans le massif vosgien entre les sublimes villes de Colmar et Strasbourg. Vous savez, la moto, c'est un état d'esprit mais aussi une mélodie, de par le ronronnement du pot mais pas que. L'entrée en courbe est tout aussi élégante qu'une succession de notes créant une magnifique symphonie. À ce moment même, je me situais dans la ville de Coussolres, pas très loin de la frontière entre la France et la Belgique. Vous savez, l'imprévu et la moto ne sont jamais très loin l'un de l'autre. Si vous voulez, la veille du départ, j'ai branché sur mon allume-cigare un adaptateur USB défectueux qui a fait sauter le fusible. Je m'en suis rendu compte que lorsque mon GPS n'avait plus de batterie. En démarrant au matin vers 6h, mes poignées chauffantes ne démarraient plus, mais je ne voulais pas prendre trop de retard en ce vendredi. Après constatation du problème, j'ai remplacé le fusible HS par un œuf, et le tour était joué. Cet imprévu m'a permis de faire une belle rencontre avec un homme âgé. Ancien gendarme, il me raconta que dans sa jeunesse, il fit son service militaire en compagnie d'une BMW. Le modèle ne lui était pas resté en tête. Adolf Sachs, ce nom vous dit quelque chose? Lors du tracé de mon parcours, il était impératif pour moi de passer en ce lieu unique. Je me trouve actuellement dans la ville de Dinan. Si vous venez à y passer, vous y trouverez des dizaines de saxophones décorant la ville, en l'honneur de l'inventeur du saxophone, Adolf Sachs. Cette ville est pour moi un coup de cœur. Avec la Meuse traversant la ville et sa géographie qui fait d'elle une ville serrée entre la roche et l'eau. Sans oublier son savoir-faire dans la fabrication d'objets en cuivre et en laiton, que nous appelons la dinanderie. Les paysages offerts en ce lieu sont à couper le souffle. Bastogne, ville située à quelques kilomètres de la frontière avec le Luxembourg. À ce moment même, je me sentis ne faire qu'un avec ma moto. Un lien fort qui, au fur et à mesure que l'asphalte passait en dessous de nous, me montra que le bonheur n'était jamais loin. Désormais arrivé au Luxembourg en compagnie de ces routes d'une qualité unique qui vous donne presque l'impression de ne plus avoir besoin d'assurance ni pour vous ni pour votre moto. Je pris une pause en ce lieu tranquille, le temps d'admirer le paysage et de sentir ce parfum de bois fraîchement coupé. Et surtout, de se mettre quelque chose dans le ventre. À quelques kilomètres de la ville d'Ettelbruck, le voyage me sembla encore plus agréable qu'au début. Avec ce léger vent et ce soleil étincelant, il ne fallut rien de plus. Peut-être qu'un coussin entre moi et la selle n'aurait pas été de refus. Mais vous savez, chaque courbe, chaque paysage dévoilé en sortie de virage me fit oublier ce léger désagrément. L'idée de faire un road trip me vint au fur et à mesure de rouler à côté de chez moi. En m'éloignant de plus en plus, je me mis en tête l'idée d'un voyage. Moi, ma moto et quelques affaires. Voir du pays. Voilà. Rencontrer des gens, échanger avec eux ou tout simplement les croiser. Sans parler des paysages, j'en parle énormément. Mais ça prend aux tripes. Si je devais vous conseiller quelque chose, c'est de ne pas vous limiter. Prenez ce grand bol d'air. Ma moto, je l'ai équipée spécialement pour ce road. J'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Le Luxembourg. Petit pays mais énormément de choses à offrir. La première chose que je remarqua quand je mis les gaz sur les routes du Luxembourg, c'est la grande variété des paysages. Du nord, j'ai vu une région principalement boisée, avec énormément de villages de hauteur, des rivières ainsi que de magnifiques lacs. En se rapprochant vers le sud du pays, la forêt laissa place aux campagnes, aux villes et bien sûr à sa capitale. Mon passage au pays fut pour moi un grand bonheur. Le sourire se grava naturellement sur mon visage. J'ose imaginer que n'importe quel motard a déjà vécu ce moment. Être là, sur cette route, te sentir libre et user ta gomme comme bon te semble. Le pire dans tout ça,
c'est que je devais me forcer à garder un œil sur la route tellement que ce qui m'entourait forçait le regard. Ce passage au Luxembourg était obligatoire. Me dirigeant vers l'Alsace, j'en ai profité pour aller voir comment se portait le pays voisin. Je peux vous certifier que le détour en valait largement la peine. Petite anecdote, à un moment je me situais au niveau d'un feu rouge, dans la ville de Espérange. Un motard me fit salutation et regarda ma monture, une CB500X. Il me fit signe d'un pouce pour complimenter cette dernière. Ça a l'air anodin, mais c'est de par ces moments simples que le voyage devient encore plus magique. Un moment de partage autour d'une même passion. La Belgique, ainsi que le Luxembourg passé, je me trouvais désormais en France. Ma CB500X 2019 étant un vrai chameau, il fallait tout de même la désaltérer. Pour éviter de dériver de mon parcours, j'avais embarqué avec moi deux jerrycans, un de 5 litres et un autre de 10 litres. Tout juste arrivé en France, je fis le plein, et en profita pour vérifier que le chargement était toujours bien fixé. Vous allez sûrement me demander pourquoi l'autoroute. Tout simplement à cause de mon impératif. Ayant pris une location chez un particulier, l'heure d'arrivée était prévue pour 21h au plus tard, alors que le GPS m'indiquait une arrivée à ce moment même pour 22h30. Vous le savez déjà, en moto, tout est prétexte pour s'arrêter et prendre son temps. Je me devais donc de rattraper mon retard. Du moins, rattraper son retard si possible. Pour ma part, l'autoroute et la moto, ce n'est pas compatible. Après, cela dépend de votre objectif de sortie. Mais pour moi, à ce moment même, le maître mot c'est peinard. Au moment de mon passage sur cette route où prendre son temps a du mal à trouver sa place, il venait tout juste d'y avoir un accident. Les voitures s'étaient littéralement rentrées l'une dans l'autre. Sans connaître la situation et ne voyant pas les secours, j'ai tout de même préféré aller voir si tout le monde allait bien. Heureusement, les dégâts ne s'avéraient être que matériels. Pour ma part, je pris leur malheureuse mésaventure comme un appel plus accru à la prudence. Je me situais désormais à Lunéville en Meurthe-et-Moselle, entre les villes de Nancy et Strasbourg. La lumière du soleil se faisait de plus en plus rare. Il ne me restait plus énormément de kilomètres avant d'atteindre l'hébergement. Un petit tour à la station essence s'imposait, avant d'entreprendre des montées allant jusqu'à 1100 mètres de hauteur. Les courbes qui s'annonçaient allaient se montrer plus enivrantes que prévu. Les derniers kilomètres ont été pour moi aussi intenses qu'une finale de Coupe du Monde. Je vais désormais vous laisser admirer quelques extraits vidéo vus du ciel, mais pas que, qui je l'espère vous donnera l'envie à vous aussi d'aller voir du pays. Ça y est, je suis arrivé à Fréland, village pour lequel je roule depuis ce matin. Destination qui m'a permis de découvrir tant de lieux magnifiques. J'ai passé cette journée en compagnie de ma moto et uniquement elle. Vous allez sûrement vous dire que je parle d'elle comme une personne. Mais je peux vous dire que passer énormément de temps avec son cheval motorisé crée des liens uniques. Ce n'est qu'un moteur et deux roues, certains diront. Mais vivre des moments que seule la moto peut vous offrir fera de vous et votre monture des compagnons de route inséparables. À ce moment même, je me situais à moins de 200 mètres de l'hébergement. Mais moi qui croyais que le plus dur était passé, je n'arrivais pas à trouver cette fameuse route qui menait à ce gîte somptueux dans lequel j'ai passé un agréable séjour. Mon GPS TomTom me faisait tourner en rond entre deux rues. J'ai donc utilisé Google Maps qui s'est avéré bien utile. Enfin sur le bon chemin, je trouva mon hébergement. Bien entendu, muni d'un garage fermé pour ma monture.
Dès mon arrivée, la propriétaire m'accueilla très chaleureusement. Nous avons échangé quelques mots sur mon voyage, puis elle me montra le logement. Ce fut pour moi une découverte dans ma vie de motard, mon premier road trip, et j'en étais très fier. Des centaines d'émotions dans une seule journée, et des rencontres inoubliables dans des décors somptueux. Sur ces mots, je vous dis à bientôt pour la suite de notre road trip, et surtout, portez-vous bien.